carré dans le sud. Plus de précisions du représentant du PAM. Le reportage de la journaliste Gaëlle Borgia sur les conditions de vie de la population du Sud et sur la consommation de cuir pour repas a suscité diverses réactions. Le représentant pays du Programme alimentaire mondial à Madagascar n'a pas manqué de relever que si consommation de cuir il y a, on devrait pousser les investigations concernant le contexte dans lequel le reportage a été filmé. Pendant les périodes difficiles, la consommation des aliments de disette comme les fruits de cactus. J'ai vu aussi la consommation du jus de tamarin avec le cendre. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Mais personnellement, je crois que je n'ai pas encore vu la consommation du cuir. Et il vaut mieux peut-être encore chercher à comprendre davantage dans quel contexte la consommation du cuir dans cette zone qui a été filmée et puisse être investiguée et trouver plus de solutions. Voilà, mais je réitère encore que nous travaillons beaucoup aux côtés du gouvernement pour que les communautés qui sont vraiment, qui vivent les situations difficiles de Kéré puissent quand même sortir de cette crise qui a déjà beaucoup perduré. Voilà, merci et je vous remercie beaucoup.